Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity. Nous étions en train d'explorer Northweald. Tiens, c'est quoi ça? Sanctuaire des pèlerins. D'accord. Il y avait une rôdeuse des bois que nous devions affronter. Je pense qu'il y en aura d'autres d'ailleurs. On va mettre notre paladin en premier. Ouais, je savais bien qu'il y en aurait d'autres. Donc toi tu vas aller essayer de stunner celle-là. Viens voir, toi tu vas nous caler ça sur elle. Non. Si, ouais. Toi tu vas nous la blind, toi tu vas interdire, toi tu vas attaquer simplement pour l'instant. Oh mais j'ai bien fait. Ok. Ça j'en ai pas besoin tout de suite. Toi par contre, il faudrait que t'envoies des dégâts de zone. Et toi aussi. Voilà. Je crois qu'on l'a mise au sol l'autre, donc c'est parfait. Allez, finissez-moi celle-là vite fait. Voilà. Eh ben c'est du bon travail. C'est quoi ça? Ah merde, mais j'ai foutu des raccourcis clavier ou je rêve? Je sais même pas comment j'ai fait ça. Bon. Y a rien d'autre par ici? Ah ouais, vous voyez? Une grotte. Probablement par là qu'il faudra qu'on aille. Grotte de Northweald. On va jeter un œil à ça juste après. J'aurais juste finir de faire le tour de la zone, m'assurer que j'ai rien oublié. Surtout, aller voir l'espèce de cadavre là. Ah, tiens. Des jeunes ours. Hop. 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 Et hop. Ah bah c'était rapide. D'accord. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Du Deer Cap. Ok, donc il faut quand même que je refasse le tour encore. On va devoir descendre par là pour pouvoir atteindre le cadavre du mec. Parce que j'ai vraiment envie d'aller voir de quoi il s'agit. Donc là, on a fait le tour. Oh, le scarabée de pierre. Voilà. Nickel. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on aurait pu louper par ici? On dirait pas. J'adore avec le petit dragon là qui nous suit. Donc ça, il y a une fameuse lance brisée. Je sais pas pourquoi je vous parie que c'est une quête. Que quelqu'un nous dit « Oh mon dieu, mon frère, ce chasseur, il a disparu lors d'une chasse au nord, vite, allez le chercher. » Oh, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup. On va sortir l'artillerie lourde.
Oh, ça fait mal ça, hein. Allez, à l'autre, balance-en encore un. Et toi, tu vas en profiter pour nous faire ta lance. Comme ceci. Boum, 73 de dégâts. Voilà. Qu'à terminer, puis c'est bon. Promis, on va se reposer. Alors, qu'avons-nous là? Merde, encore ces trucs. Nombreux à nouveau. On va balancer un mur de flamme, je pense. Non. On va attendre un petit peu qu'il se rapproche. Voilà, go. On va se mettre là. Balancer la lance. Non mais il m'envoie de la pluie sur la gueule ou je rêve? Non, j'ai pas rêvé. Non. Voilà. Vraiment, il va falloir qu'on se repose. Alors. Qu'est-ce que c'est ça? Cette botte est à moitié enfoncée dans la vase comme si elle avait été jetée en amont de la rivière. Décide, ça s'est fini de la même façon. Ça m'étonnerait, ça voudrait dire que tu serais mort. Sous la cascade déchaînée, vous découvrez le cadavre d'un chasseur Glanfatan elfique qui s'est fracassé sur les rochers. Ses os brisés ont transpercé sa peau, mais vous remarquez également de profondes entailles parallèles sur sa chair en putréfaction. Ses entailles recouvrent pratiquement tout son corps, comme s'il avait été tailladé par des dizaines de lames. Cet homme était probablement mort avant de tomber de la falaise. Vous touchez le front violacé de l'elfe mort, sur lequel des gouttelettes d'eau scintillent, et l'essence du chasseur vous assaille brusquement. Le monde qui vous entoure s'évanouit. Vous marchez dans les sous-bois sans faire de bruit. La lune projette une lueur pâle sur vos bras et vous vous réfugiez rapidement dans l'ombre des arbres géants de Northweald. Votre frère de sang n'est pas aussi habile comme prévu. Regardez-le, frêle, ignorant. Il ne mérite pas de partager la gloire de cette chasse avec vous. Cela fait d'innombrables saisons qu'un Stelgar comme celui-là, deux fois plus grand que la plupart de ses congénères, n'a pas rôdé dans les forêts qui bordent les ormes jumeaux. Artfun est tombé dans le panneau. Vous avez presque pitié de lui. Mais vous vous êtes convaincu qu'il serait un fardeau pour vous au moment de tuer la bête. Il sera plus en sécurité près de la rivière à attendre que nous prenions le Stelgar de flanc lorsqu'il descendra s'abreuver. Cette proie est pour vous, et seulement pour vous. Le Stelgar est plus grand que vous vous imaginiez. Il se tient sur la crête qui surblombe la cascade, nullement effrayé. Sa silhouette formant une ombre monstrueuse sous le ciel nocturne. Une créature de légende. Un vrai chasseur. Votre main serre la hampe de la lance de votre père. Vous équilibrez et vous préparez à la lancer. Vous y mettez toutes vos forces. La lance s'envole et atteint sa cible. Le Stelgar n'a rien entendu. Son sang coule sur les rochers. Mais il ne vacille pas. La bête bondit. La lune fait briller ses énormes crocs. Sans réfléchir, vous dégainez vos lames et vous lancez à la rencontre du monstre. Il est rapide. Il vous déchiquette la peau. Vous donnez des coups de poignard dans l'obscurité qui vous engloutit peu à peu. Mais rien ne ralentit son étreinte. Donc en gros, ils se sont juste entretués, c'est tout. C'était sympa. Mais bon, c'est tout. Je pensais qu'il y aurait un truc, moi. Bon, bah du coup, on a vraiment quasiment tout fait, sauf juste là. Allez, on y va. Je crois qu'il y avait un ours, c'est ça. On n'est pas obligé de rester en mode truc, par contre.
Et merde. Wow, doucement. Slow. Slow, slow, slow. Voilà. Les ours, ils peuvent nous faire mal. Bah. Bah. Ok, bah j'ai rien dit. Ils se sont fait défoncer. Bon alors. Alors jetez un oeil par ici. L'antilope. L'antilope nous a vus. Qu'y a-t-il par ici ? Des Zadragan, oh. Ça, je le sens pas très bien, par contre. Quelle heure ? Ouais, on a le temps. Donc, on va se reposer, tranquillou. Prendre notre temps. Ah, on a fini le bassin de la cour de Bright Hollow. On va construire les tours. Voilà. Là au point où j'en suis, je fais plus trop attention à ce que je fais. Petite sauvegarde rapide, ça fait longtemps. Tant jamais, comme on dit. Alors. Ok. Oh, des scarabées d'âne. Ouais, ça on sait faire. On va voir. Interdiction, à nouveau sur tout le monde. Je pense qu'on va faire un autre mur de feu. Comme ceci. On va se mettre juste devant. Elle va prendre son épée et elle va se mettre juste devant aussi. Et quant à lui, il va aller nous ralentir ces gens-là. Merde, il y en a un qui est passé. Il y en a un qui est passé. Voilà. Ok. Donc, on va juste vite fait faire notre lance sur les deux là. Ouh, il y en avait plus que deux. Ah merde, il y en a un qui a fait le coup. Go. Putain de scarabées, ils sont solides en fait. S'il vous plaît, évitez de vous prendre dans les flammes. Merci. On a juste fait faire un... non, non, non. Un petit soin. Là, c'est un petit scarabée. D'ailleurs, toi... Ah oui, mais t'as que 9 points. Décidément. Voilà des gens qui ont été solides. Oh, de l'Adra réveillé. Cool. Allez, Thorendil. Découvre-nous des choses ici. Qu'est-ce que c'est que ça hein? Un peu de thunes, ok. Ouais. Les nuages qui planent au-dessus des falaises de Northwell se reflètent à la surface irisée de ce pilier d'Adra. Oh! Torque des yeux de faucon. Perception plus 2. Ça fait quoi déjà la perception? Attendez. Perception, quelqu'un qui a... Ça augmente l'interruption, la déviation et les réflexes. Ok. Intelligence et détermination. C'est pas très passionnant pour ça. Peut-être plutôt lui mettre ça. Réduction de dégâts. Plus de puissance a été supprimée, normal.
Dommage que ça se cumule pas, ce serait tellement mieux. Jeu de perception, ok, ça a pas changé. Enfin, ça a pas été supprimé quoi. Ok. Et après, il nous reste ce truc là. Un escalier tortueux longe la falaise, offrant une vue impressionnante au fur et à mesure que vous montez. Mais rapidement, votre progression est interrompue. Un imposant bloc de pierre s'est écrasé sur votre chemin et vous fait obstacle. Ah, attendez, on va y revenir plus tard. Je voudrais juste finir au moins cet épisode sur la grotte de Northwell, parce qu'on a fait tout le tour du reste. Donc on va aller dans la grotte. Je vous parie que c'est des scares de machin bidule, là. Et quoique, c'est pas forcément obligatoire. On va aller explorer ça vite fait. Hop là. Allez. Très bien. Alors là, par contre... Oh. Oh, 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 oh. Je en pose. Interdiction. Go. C'est bien ça, c'est ça. C'est condamner les adversaires du prêtre qui étourdit les ennemis présents dans la zone d'effet. Parfait. Mur de feu. Ah non, on peut le faire que en combat. Ah ouais, les boules de feu sont bel et bien périssables. Hein. Donc tu vas nous faire ça, toi. Et vous deux, vous restez à l'avant. Ça m'ira très bien. Et toi, tu vas juste vite fait t'équiper de ça avant qu'on soit en combat. Toi, tu vas ralentir. Et toi, tu vas... Voilà. Donc maintenant, le mur de feu. Ok. Oh putain. Putain de merde, putain de merde, putain de merde, merde, merde. Putain, bien joué. Non mais arrêtez quoi, merde! Bon. Voilà. Raider qui s'est bien fait cramer, mais tant pis. Ah, c'était un peu étroit cette zone de combat. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste Thorendil comme d'habitude pour aller explorer le reste. On va voir, qu'avons-nous par ici? Ok, donc la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner nos tanks à l'avant comme d'habitude. Le reste du monde à l'arrière. Ouf, il y a d'ailleurs du monde ici. Ok. Très bien, donc allez, on refait la même. Non mais, c'est quoi ce délire là? Et toi là. Là. Voilà. Bien là. Ok. Ensuite. Il n'y a pas trop besoin pour le moment. Toi t'es en train d'agir. Oula. Ah merde. C'est l'heure. Alors on va finir ce combat vite fait. Quand c'est l'heure, ça me renvoie sur le bureau en fait.
C'est un peu violent. Tu vas me ralentir les... ouais, tu devrais pouvoir le voir. Et après, il nous faudra un truc de zone. Bon, on va faire le standard. Non, mais là, même chose, quoi. Ok, donc... il nous reste deux boules de feu. Faites-vous plaisir. Ok. Ouch. Quoi ça? Le territoire des dormeurs. Améliore tous ses attributs. Sympa. Oh putain. Quantité de dégâts qui est infligée à la seconde. Est-ce qu'elle mange les rôdeuses? On a gagné. Eh ben putain. Et il reste une espèce de cadavre. Oh. Gourdin exceptionnel. Botte de rôdeuse glande fatane. Bonus à l'attaque furtive. Ça c'est pour toi mon gros. Je fais que les poser. Je vais les récupérer après. D'ailleurs on va les mettre dans le stash. Je les ai jamais utilisés au final, les pièges. Et ça, et par contre le rôdeur il va prendre ça. On s'équipe dans la foulée. Il y a déjà des bottes. Plus un constit. Tiens, ça c'est des bottes parfaites pour toi. La classe. Bon bah voilà, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Merci à tous. Faites une très agréable journée et je vous dis à très bientôt sur Jace Gaming pour la poursuite de nos aventures dans les au temple de Bidule. Au temple de Iléa. Allez, salut à tous.